Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, on va pas parler déménagement, on va parler emménagement. Oui, je viens juste de déménager dans mon nouvel appart. Big up et ultra merci aux 4 barbus qui sont venus me filer un coup de main. C'était génial. Merci à vous. Maintenant que c'est fait, il y a la deuxième phase qui commence. C'est la phase de l'emménagement. Vous ne le voyez pas trop, je ferai un petit plan pour montrer un peu à quel point c'est le bordel. Dans le salon, qui est un gigantesque salon qui va être séparé en deux avec la partie grotte et la partie salon. Et aujourd'hui, ben, il est temps que je commence à emménager vraiment. Ça veut dire qu'il faut que je monte le lit de ma fille, son bureau, que je commence à installer des rangements et puis que ça commence à prendre forme. Allez, c'est parti! J'ai donc commencé par monter les deux éléments du lit de ma fille. C'est pas la première fois que je le monte ou que je le démonte, mais tout seul c'est pas évident à mettre toutes ces petites lattes et à les aligner. Mais, comme vous allez voir, j'ai quand même galéré, mais réussi. Et j'ai enchaîné avec sa nouvelle table, achetée chez Ikea, en espèce de simili bois. Et la batterie de ma visseuse qui est morte en plein milieu. Et j'arrivais pas à trouver les batteries supplémentaires. Donc j'étais obligé de la recharger. Donc j'ai enchaîné. Donc j'ai enchaîné sur le début de la réorganisation de la grotte. Alors j'ai acheté un truc qui s'appelle Spaceo. En gros, ils vont vendre un kit pour une étagère qui est censée faire 1m80 de haut par 40 par 96. Ça coûte en gros 45 balles. C'est censé supporter 100 kg par plateau. Ce que j'en pense, c'est super merdique à mettre en place, mais vous verrez. Surtout leur espèce de machin, leur hub, ce qu'ils appellent, leur espèce de bitonio, c'est complètement merdique. Je me suis complètement ruiné le pouce. Et surtout, pour pouvoir faire une hauteur double, il faut arriver à mettre des espèces de prolongateurs qui sont trop grands, enfin qui rentrent pas dedans. C'est super merdique. Ça vaut le prix que j'ai payé, quoi. 45 balles, voilà. Ça vaut pas plus. Mais ça suffira dans un premier temps pour commencer à réorganiser la grotte. C'est pas fini, c'est même loin d'être fini, mais au moins j'ai pu vider et organiser une partie des éléments que j'avais ramené de ma grotte. Et ma grotte est devenue beaucoup plus grande. En gros, la taille de ma grotte va faire à peu près la taille de l'ancien salon où je dormais, où ma fille dormait. Je pense, je sais pas, 15-20 mètres carrés, rien que pour la grotte. Donc ça, c'est top. Et l'organisation commence à se mettre en place. Ma fille va pouvoir dormir cette nuit dans un lit et pas juste le matelas par terre. Et petit à petit, on emménage.
au fur et à mesure. Je suis pas sûr que ce vlog soit super intéressant, mais c'est ma chaîne donc je le fais. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez des questions, des insultes, des conseils d'aménagement, n'hésitez pas, continuez à faire comme ça quelques petits vlogs pour vous montrer des trucs rigolos, si jamais il y a des trucs rigolos. Mais en tout cas, mon PC est monté, j'ai pas encore de connexion web, normalement je devrais avoir la fibre d'ici une semaine, grand max. Une partie de mes éléments de la grotte sont rangés, il reste encore beaucoup de rangements à faire, beaucoup d'aménagements, mais ça vient au fur et à mesure. A bientôt et que la barbitude soit avec vous.